Chacune son micro. Ça, c'est pas... On prend le micro 1 et 2. Oui, on est toutes les deux. Oh 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 oh. Ça marche, non? Ah, pardon. Ok. Et apparemment mon micro marche. Ça marche bien? Oui, ça va? Ok. Donc musique, après tu nous fais signe, c'est ça? Petite mélodie, après c'est nous. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver. C'est encore la semaine de la poésie et aujourd'hui nous sommes mercredi. Et pourquoi j'insiste sur ce mercredi? C'est parce que le mercredi est un jour charnière pour nous, parce que des poètes qui étaient présents en première partie de semaine nous quittent et d'autres arrivent, comme Valérie Rousseau à côté de moi, et aussi parce que le mercredi est généralement pour nous le jour de la mise à l'honneur de la poésie de l'étranger. Chaque année, on essaie de faire venir un poète d'un pays plus ou moins lointain pour découvrir sa poésie, la poésie de son pays. Mais cette année, évidemment, le contexte est compliqué et nous avons pris la sage décision de transformer cette soirée, toujours en ayant à cœur de parler des langues. Et donc, nous avons prévu une soirée 100% consacrée à la traduction. La traduction, c'est un sujet qu'on a déjà abordé, mais visiblement aussi énorme qu'intarissable, nous allons encore trouver un nouvel angle pour aborder cette question. Cette soirée est proposée en partenariat avec l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture de Lyon. Là, j'en profite pour remercier Laurent Bonzon et Joël Bouvier. Avec eux, on a imaginé ce programme et c'est eux qui, directement, quand on leur a parlé de traduction, nous ont indiqué l'ATLF. ATLF, c'est l'Association des traducteurs littéraires de France, une association basée à Paris, qui promeut, défend, valorise les traducteurs et la traduction. Mais ça, on vous en parlera un peu plus tard, puisque la soirée va se dérouler en deux temps. Le premier temps, c'est un court entretien avec Valérie Rousseau.
qui est à côté de moi, donc Valérie, que nous accueillons assez régulièrement à Clermont, pour nous parler de ses nouveautés, de ses parutions. On l'a aussi invitée pour nous parler pour animer des ateliers d'écriture en milieu pénitentiaire. Et Valérie, donc grande poète, avec un prix Apollinaire pour son Vrouze, une dernière parution qui s'appelle Éphéméride. Et Valérie a été notre marraine en 2014, c'était la 27e édition de ce festival, et en 2014, nous avions invité 3 auteurs brésiliens. Et à cette occasion-là, Valérie avait participé à la traduction de poèmes de ces poètes. Et ces poèmes donc, ont été traduits par Valérie, Jacques Demarque, Camille Loivier. Ils ont été ensuite publiés dans un recueil bilingue qui, en français, s'appelle « Le blues du requin ». Valérie, donc, tu es poète, tu es aussi traductrice. En ce moment même, je crois que tu termines une traduction. En fait, je viens juste de terminer, j'ai envoyé à l'éditeur, juste avant de vous rejoindre à Clermont, je viens de terminer, non pas une traduction vraiment, mais j'ai revu complètement une traduction que j'avais faite il y a plus de 20 ans, qui est une sorte de livre manifeste de modernité, de ce qui s'appelait aux États-Unis la poésie objectiviste. Donc ça s'appelle Spring and All, le printemps et le reste, le printemps et tout, de William Carlos Williams. J'avais fait cette traduction il y a plus de 20 ans parce que Jean-Pierre Saint-Yves, qui dirigeait les éditions Une, me l'avait demandé. Moi, je voulais traduire autre chose de moins ambitieux, un livre moins difficile, puisque j'apprenais à traduire et je m'attaquais à une œuvre pareille qui est à la fois un recueil de poèmes mais aussi un manifeste d'indépendance de l'artiste où le mot doit être indépendant, le vers doit être indépendant dans le poème. Enfin, c'est ma poétique à moi que j'ai prise à Williams. Bref, je viens complètement de revoir cette traduction, alors que Jean-Pierre, qui me l'avait commandé, est mort dans son sommeil la nuit du 4 au 5 février. Donc, ça lui sera dédié. J'espère que le jeune homme qui a repris les éditions Une et qui m'a demandé ce travail ne sera pas déçu, parce que je ne sais pas, je viens de lui envoyer, donc je ne sais pas ce qu'il en pense. Alors, on suivra ça avec attention. Mais ce soir, on ne t'accueille pas en tant que traductrice, on t'accueille en tant que poète aussi traduite. Et là, on peut parler directement de ton recueil Par revoir, paru au Des Bleus, celui qui t'a rendu connu au grand public. Je ne sais même plus à combien d'exemplaires il a été. Plusieurs milliers. Plusieurs milliers d'exemplaires. Donc c'est un recueil de deuil, c'est la disparition de ton père et tous les souvenirs que tu peux avoir eu avec lui. Très très beau recueil, bouleversant. Certainement aussi, cette sensibilité-là, ce sujet-là qui a dû peut-être toucher aussi les éditeurs ou les traducteurs étrangers. C'est ce livre qui a été traduit donc en, si je ne me trompe pas, 5 langues, en allemand, en anglais, en slovène, en norvégien et en argentin. Est-ce que toi, tu saurais nous dire pourquoi ce livre ? Enfin, est-ce que c'est ça, le sujet qui... Oh non, je pense que c'est le gros coup de projecteur qu'André Velter a mis sur ma tête en 1999. Donc là, je... Et puis, bon, il est vrai que j'écrivais d'une façon beaucoup plus classique avant, mais je n'ai pas choisi d'écrire comme je me suis mise à écrire après la mort de mon père. C'est comme une langue qui est chamboulée, donc qui traduit entre qui traduit les émotions, les pensées, etc. Le livre était énorme. Mon manuscrit devait faire, je ne sais pas, entre 300 et 400 poèmes. Et je n'ai gardé que ce qui me semblait digne d'être partagé, publié, partagé. Après les traducteurs, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2004, j'ai répondu à une invitation de Jacques Rancourt, la traductière. Jacques Rancourt est un poète québécois, bilingue. Et il avait comme proposition d'inviter, il faisait ça chaque année, et une année, il m'a invité à participer à des ateliers à la Maison de la Poésie de Paris. En amont, on se traduisait les poètes les uns les autres. Donc on était 8 ou 9, je ne sais plus. Et puis, quand tout le monde avait traduit, on s'est réunis et chacun devait dire quel était, selon lui, c'était vraiment des joutes aussi, qui était le meilleur ou la meilleure traducteur, traductrice, etc. de ces poèmes. Et comment dire ? Moi, j'ai trouvé que Susan Wicks, elle avait compris ce que je fais. Et on est devenus amis. Et Suzanne a traduit 2 de mes livres en anglais. Donc c'est ma première traductrice. C'est une amie, c'est une poète, c'est une romancière aussi.
Et alors, par contre, le titre, c'est pas du tout. Je l'ai pris, hein, le livre de Suzanne, Cold Spring in Winter, pour un livre qui s'appelle Pas revoir. Pas revoir par rapport au fait que je ne verrai plus mon père, puisqu'il n'est plus de ce monde, mais aussi le revoir qu'on peut pas dire, que j'ai pas pu dire, parce que le train est arrivé trop tard. Et donc, Cold Spring in Winter, Suzanne, elle l'a pris dans les poèmes, parce que dans un poème, je parle de printemps froid. Et donc, elle a fait, avec mon accord, parce que j'ai participé à la traduction. C'est-à-dire que, oui, puisqu'en fait, quand on a l'auteur vivant et qu'on peut échanger, de même que j'ai participé à la traduction argentine. Mm-hmm. Traduction argentine, donc la dernière traduction parue. Ouvert et mal. C'était quoi? C'était en 2019? Oui, le livre, en fait, c'est un livre artisanal. Et l'éditeur ne fait que des livres, il les fabrique un par un. Donc il y en a 50, il va en faire d'autres, mais c'est numéroté, il n'y en a pas deux pareils. C'est-à-dire que même les petits... C'est numéroté, mais il y a aussi des petits dessins d'animaux à l'intérieur qu'il fait lui-même. On dirait un enfant qui s'amuse. Mm-hmm. Et d'ailleurs, sa dernière publication, c'est une traduction en argentin de William Carlos Williams. Là, c'est, wow. C'est... Oh, désolée. Je sais plus ce que je voulais dire, par contre. C'est... Ton éditeur argentin. Ah oui, je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai rencontré Horacio, mon traducteur, même que je vais traduire mon traducteur pour me venger. j'y pense. Je me remets à l'espagnol, mais l'argentin ou le mexicain, c'est plein d'astéquisme et de... C'est pas pareil que l'espagnol qu'on apprend. Bon, bref. Mais je ne suis pas nulle en espagnol, donc je peux quand même appréhender ça. Horacio et Nathalie sont venus, parce que Nathalie a de la famille, elle est franco-argentine et lui est complètement argentin, c'est un couple de chercheurs universitaires de Buenos Aires. Et je ne sais plus comment ils m'ont lu. Si, je crois que c'est par l'anglais. D'accord. Je crois que c'est par Suzanne et Suzanne Wicks. Oui, c'est en bilingue, donc oui. Et ils sont venus visiter la famille de Nathalie et ils ont vu que Nevers n'était pas si loin de Poitiers. Et ils sont venus chez moi pour 2 heures. En fait, ils sont restés 2 jours. Donc, voilà, je les ai gardés à la maison. Je les ai gardés chez moi parce que c'était tellement passionnant qu'on ne pouvait plus s'arrêter. Au point où je leur ai dit, mais est-ce qu'il vous arrive de vous disputer quand vous traduisez ensemble un poème? Et là, Nathalie, elle m'a dit, mais c'est les seules, on s'entend bien, mais c'est les seules fois où on s'engueule, c'est quand on traduit, surtout quand on aime tous les deux, qu'on a vraiment un goût pour le texte qu'on est en train de traduire, et c'était flatteur pour moi, mais je sais que j'ai provoqué quelques engueulades, quelque part, dans un petit appartement à Buenos Aires, autour des poèmes. Donc à Nevers, c'était deux jours entiers de joutes, c'était 100%... Ben c'était eux les joutes, parce qu'en fait, moi je disais... C'est la traduction que je préfère, honnêtement. Mais c'est aussi le latin qui veut ça, qui fait que je m'y retrouve vraiment. Il n'y a que le titre, le meilleur titre, c'est celui qui est en allemand. Ouais. Nicht wiedersehen, c'est vraiment pas revoir. Mm-hmm. Alors que Novertemas, ils ont rajouté T, alors que je n'ai pas écrit ne plus te voir. Enfin, il n'y a pas de te. Pas revoir, c'est plus brutal que ça. C'est un au revoir raté. Et il n'y a qu'en allemand que c'est bien rendu. Le titre, mais pour le reste, c'est la traduction argentine que je préfère. Je ne comprends rien à la traduction slovène qu'a faite notre ami Mataya. Et je ne comprends rien non plus, encore moins, parce que je n'ai aucune notion de norvégien. C'est un petit peu une question qui me taraudait. C'est comment tu peux, toi, te dire cette traduction en norvégien ou en slovène me convient, je la valide, je suis d'accord avec elle, puisque tu ne comprends rien à cette langue, tu ne l'entends pas, tu ne la parles pas. Est-ce que tu peux le dire ou pas? Je peux dire que j'ai toujours été en lien avec les personnes qui m'ont traduite. Donc, pour ce qui concerne Mateia, c'est quelqu'un que j'ai rencontré qui est devenu une amie. J'ai une confiance absolue dans son travail. Après, peut-être qu'il y a eu... Je ne sais pas. Mais ce que je peux dire, c'est que je lui ai donné les traductions anglaises et allemandes et qu'elle s'en est servie. Mm-hmm. Et moi, je fais pareil quand je traduis. D'accord. C'est-à-dire que je regarde ce qu'ont fait les autres. Quand c'est possible. Pour ce qui est de la traduction norvégienne, j'ai demandé à Håkan Sandell, qui est un poète suédois qui vit à Oslo
Eka, tenez-vous bien, les poètes qui sont dans cette salle, il a une bourse à vie pour écrire des poèmes. Parce qu'il est considéré en Suède, alors qu'en plus il a émigré en Norvège. Bon, c'est pas loin, mais quand même. Il a une bourse à vie pour écrire ses poèmes, ce salopard. Et lui, il m'a dit que c'était vachement bien traduit, donc bon. Confiance. De toute façon, je n'y comprends strictement rien en anglais. Et à toi, là, ça te fait quoi de voir que tes textes voyagent comme ça, que des gens ont décidé de le faire, de le traduire, de te transporter ailleurs, que des gens en Argentine, au fin fond de l'Argentine, peuvent te lire, ont cette chance-là? C'est quoi ce ressenti? Ça fait quoi? Je crois que je ne me rends pas bien compte, en fait, mais c'est en tant que poète traduite, je me dis que j'ai de la chance. Mais là, en ce moment, surtout depuis que je n'arrive plus du tout à écrire, mon rapport à l'écriture est devenu à nouveau celui de la traductrice, donc qui s'occupe des mots des autres, qui prend soin des mots d'autres poètes. Et là, c'est à la fois passionnant et une souffrance aussi. Là, Williams, j'ai fini, mais j'ai hâte quand même que Françoise Bourg me dise... T'as bien fait de revoir cette traduction, elle est bien meilleure maintenant. Bon, je le pense, mais j'ai pas de recul et je suis toute seule à l'avoir lu. Donc. Et en plus, je suis la seule à avoir traduit ce livre-là en français. Il n'y a pas d'autre traduction. Donc je peux pas dire, tiens, lui, comment il a fait sur ce problème-là, ou elle, qu'est-ce qu'elle... Comme on pourrait faire avec Emily Dickinson, qui a été traduite par plein de monde. Quoi. Donc on peut comparer, etc. Tu viens de dire que traduire, c'est prendre soin, hein, prendre soin de l'autre, de ses mots. Est-ce que toi, tu considères qu'en étant traduite, on a pris soin de toi? Je crois, oui. Ouais. Je crois que quand même, tout le temps qu'on passait... Suzanne n'a jamais eu... Bon, elle a remporté un très grand prix de traduction, donc, mais sinon, elle n'a même pas eu droit à, comment dire, 10 livres. Je parle de fric, hein, mais... Ouais. Non, mais elle l'a fait par amour des poèmes, quoi. Donc, elle a vraiment fait ça... Et 2 livres en plus. Et c'est grâce à elle que j'ai vu Toronto, c'est grâce à elle que je vais régulièrement en Irlande, en Angleterre évidemment, que je peux voir Londres, sinon j'aurais pas les moyens, etc. Donc je lui dois une fière chandelle. Et j'arrive pas à la traduire. Non, j'y arrive pas, j'ai essayé, hein, mais ça tombe à plat. J'espère qu'un jour quelqu'un la traduira parce qu'elle le mérite, mais moi j'y arrive pas, je suis pas la bonne personne. Parce que je crois aussi qu'il y a les bons traducteurs pour les... J'y crois à ça. Il y a le problème Amanda Gorman. Bon, j'ai rien à dire sur le sujet, mais mes éditrices auraient voulu que ce soit moi. Ah oui. Oui, carrément. En France, traductrice, donc tu peux nous redire cette Amanda qui elle est. The Hill We Climb, c'est pas mal, mais je suis pas admiratrice de cette poésie qui est un pur produit de l'Amérique, qui est bien pensant, qui est... La jeune femme est super, et après Trump, ça fait du bien. Mais j'aurais été contente de le faire aussi, parce que ça m'aurait permis de payer mon loyer. Mais bon, c'est pas ce que je cherche non plus. C'est pour les gens peut-être qui sont derrière leur écran et qui ne sont pas au courant, c'est cette jeune femme qui a écrit le poème pour l'investiture de Joe Biden. Et on se demande, enfin, on en parle beaucoup dans les médias en ce moment, à savoir qui est autorisé ou pas à traduire une jeune femme poète noire. Oui, c'est assez bizarre. Oui. Il y a des polémiques sur... un noir doit être traduit par un noir, une femme par une femme. Enfin, bon, bref, je crois que ce sont des questions que la TLF se pose et ça a l'air d'être au cœur de leur sujet et de leur débat. On a un temps compté, mais est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose en tant que femme traduite, poète traduite? Est-ce que tu aurais envie d'être traduite dans d'autres langues, par exemple? Est-ce que tu as des propositions? Est-ce que tu en as refusé certaines? J'ai jamais refusé. Et même si je ne comprends rien à la langue, hein, j'ai déjà pensé à arrêter plein de trucs. La vie, par exemple. Bon. Arrêter l'écriture, c'est pas que j'y ai pensé. Là, c'est que je suis en panne, je suis pas bien. Arrêter de traduire, j'y ai pensé aussi et je m'y suis remise. Mais c'est tout bête, mais si personne traduisait, on serait tous avec nos littératures nationales, on aurait l'air malin, quoi, dans nos petites frontières. Non, mais c'est tout ce que j'ai à dire, parce que, en fait, quand on est en plein doute, dans des périodes de grand doute, et qu'on ne sait plus très bien où on en est, c'est difficile d'affirmer quoi que ce soit. J'ai rien à dire de plus. Je sais que tu as une sœur qui apprend le chinois. Non, le japonais. Le japonais, mince. Le japonais à la fac, elle a une licence.
et puis plus. Enfin, elle a commencé. Là, c'est une mauvaise question parce que Julie vient de m'apprendre qu'elle arrêtait ses études. Ouais, elle me ressemble un peu trop. On est dans un moment de découragement un peu trop grand. Mais elle a appris le coréen toute seule, en autodidacte. Et elle n'a pas besoin de traduction pour lire en japonais, quoi. Elle a pas, ni en coréen d'ailleurs. Elle a des notions de chinois. Mais, et elle n'a encore jamais rencontré Camille Loivier. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, Camille lui a envoyé pas mal de bouquins à Strasbourg. Mm-hmm. Quand elle, voilà. Peut-être qu'en cachette, elle essaie de traduire tes poèmes, on ne sait pas. Oh non, je ne crois pas. Mais voilà. Et j'ai mon autre sœur aussi qui a des notions de russe, qui avait fait l'INALCO un petit peu. Bon, alors vous êtes bien baignée dans les langues. Juste les filles, oui. Ouais. Super. Bien, voilà. Je suis désolée, je ne suis pas très... pour être plus en forme. C'était un petit peu l'idée voilà, d'introduire le deuxième temps de cette rencontre, qui est donc, tu l'évoquais, une joute de traduction. Donc c'est Sophie Aslanide, qui représente l'Association des traducteurs littéraires de France, qui va modérer la joute. Je ne vous révèle pas le principe, elle le fera très bien, mais nous avons avec nous deux traductrices qui viennent en plus de Haute-Loire toutes deux, Mireille Vignol et Catherine Richard. Nous les avions déjà rencontrées. Alors, je reprends mon papier. Mireille Vignol était venue à l'occasion d'une poésie hors saison, c'était en 2019. Elle était accompagnée du poète australien Peter Bakowski. Donc, ça avait été une super rencontre en bilingue, des questions-réponses avec donc la traductrice de Peter. Et Catherine Richard aussi, qui était venue en 2018, c'était pendant le festival. Nous avions envie d'inviter le poète écossais John Burnside, et pour des raisons de santé, il n'avait pu se joindre à nous. Donc, une lecture avait été faite par des jeunes étudiants de la classe théâtre du conservatoire de Clermont-Ferrand. Et Catherine était venue pour représenter John Burnside, nous parler de lui et dire tout le bien qu'elle avait aussi ressenti au moment de cette lecture qui était aussi intense et belle. Donc j'en profite aussi pour adresser un bonjour et un merci très fort à Irène Imar et à Elodie Ficot de la TLF avec lesquelles on a pu construire tout ce programme là qui va suivre. Et puis avec Valérie, nous allons quitter la scène et nous allons laisser nos places à ces trois femmes. Merci. Merci. Bonsoir à tous. Bienvenue sur le plateau de la semaine de la poésie. Au nom de la TLF, je suis très très heureuse de vous accueillir ce soir pour,
modérer une joute de traduction. La TLF, c'est l'Association des traducteurs littéraires de France qui a été fondée en 1973 pour défendre les intérêts spécifiques des traducteurs littéraires et lutter aux côtés des écrivains auxquels nous assimile la loi de 1957 sur la propriété littéraire et artistique. Aujourd'hui, c'est une association qui compte 1500 adhérents. Ses missions sont la promotion de la traduction en favorisant l'accès en France à la littérature étrangère et à la propagation à l'étranger de la littérature française, la défense, la sauvegarde des intérêts des traducteurs, la représentation de la profession, l'information et la sensibilisation des traducteurs, des éditeurs et de tous les acteurs de la chaîne du livre, ainsi que du public, la mise en valeur de nos activités, en rapport évidemment avec la traduction, et enfin la publication d'une revue exclusivement consacrée à la traduction littéraire, Translittérature. Dans notre actualité, je citerai l'engagement actif de la TLF dans les négociations actuelles dans le sillage des états généraux du livre et du rapport Racine, la participation active de notre association aux côtés des autres associations d'auteurs auprès des instances gouvernementales, notamment pour tout ce qui est mesures de soutien en ces temps difficiles pour le monde de la culture et en particulier pour les auteurs et les traducteurs, et développer une réflexion sur les questions juridiques, par exemple, qui se posent désormais par de nouvelles formes comme l'auto-édition. Enfin, dernier point et non le moindre, le développement de nos partenariats avec les agences du livre en région, en Occitanie, en Normandie, en Pays de Loire et bien sûr en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, comme beaucoup d'acteurs du milieu culturel, nous sommes initiés à toutes les techniques de la vidéo pour pouvoir continuer à exister. Hier encore, la TLF a organisé une table ronde dématérialisée sur la condition du traducteur que vous pouvez retrouver bien sûr en différé sur le site. Alors, rapidement, qu'est-ce que c'est qu'une joute ? Eh bien, les deux traductrices ici présentes que je vais vous présenter en détail ont travaillé sans échanger entre elles sur un poème de Robert Robbins que vous allez découvrir. J'ai recueilli leur traduction et je les interpellerai pendant l'heure qui vient sur leur choix de traduction pour faire apparaître les convergences, les divergences de lecture, d'interprétation. Et on évaluera ensemble la dimension créatrice dans les manières qu'elles ont mises en œuvre de passer le texte dans la langue cible. Alors, juste pour lancer un peu la chose, je vais citer d'un côté Jacobson qui affirmait que, je cite, « la poésie par définition est intraduisible, seule est possible la transposition créatrice ». C'est juste pour vous mettre à l'aise. De l'autre côté, cette très belle citation de Charles Tomlinson, qui est un poète et un critique contemporain, à qui on demandait quel était le plus grand poème anglais du XVIIIe siècle, et qui a répondu « C'est l'Iliade d'Homère dans la traduction d'Alexander Pope ». Alors, à mes côtés, Catherine Richard, d'abord francophone, mais frottée d'anglais de traduction dès le berceau. Elle met de la méthode un peu dans cette folie à l'Institut Charles V, à Paris 7, au début des années 90. Sa première traduction est publiée en 1991. Elle est exclusivement traductrice littéraire depuis et a publié beaucoup de titres, quelques auteurs magnifiques, John Burnside, John Edgar Wideman, Liza McInerney et d'autres. Un prix ou deux pour des travaux réussis, c'est comme ça qu'elle le formule, et Les volcans d'Auvergne en toile de fond. Mireille Vignol a grandi en Auvergne, vécu aux États-Unis, en Écosse, 18 ans en Australie. Elle a couvert l'actualité du Pacifique Sud, de nombreux festivals culturels. Depuis son retour en France en 2002, elle a traduit plus d'une cinquantaine de romans pour diverses maisons d'édition, quelques grands noms de la littérature australienne et océanienne. Elle collabore étroitement avec la maison d'édition tahitienne au vent des îles depuis 2005 en tant que traductrice, lectrice et dénicheuse occasionnelle de talents littéraires. Mesdames, êtes-vous prêtes ? Oui. Oui. À découvrir déjà le texte de ma voisine. Je suis prête. Voilà, alors je me permets d'exposer ce premier
ce premier, voilà, première diapo avec l'intégralité du texte pour donner au public une idée de ce qui a occupé les traductrices pendant bien 3 ou 4 semaines. Et ma première question à vous deux, l'une après l'autre, qu'avez-vous pensé de ce poème? Comment l'avez-vous compris? Qui est ce mystérieux HDT de la dédicace? Et prenez un peu de temps pour répondre, le temps que les spectateurs lisent le poème du début à la fin. Alors là, moi, je ne me suis pas du tout posé la question de savoir qui était HDT. Moi non plus. Alors, Sophie, je ne sais pas, mais c'est... Ça commence très mal. Thoreau. Henry David Thoreau. OK. Oui, d'accord. Oui, bon, déjà. On a, oui. On a pas fait notre boulot, là. Je ne me suis pas du tout posé la question. Voilà. Bon, alors, comment vous avez trouvé ce poème? Est-ce qu'il vous a plu? Oui, moi, il m'a plu. Moi, il m'a enchantée, moi. Je peux expliquer peut-être un tout petit peu. C'est sans. Alors j'ai lu d'abord avec mon œil de lectrice et ensuite avec mon œil de traductrice et puis j'ai mis les deux ensemble. Et ce qui m'a frappé déjà, c'était la sonorité du poème. C'est un poème qui est sonore, musical, beaucoup de d'échos d'un mot à l'autre et puis des mots assez recherchés. Donc j'ai fait bien attention à mes impressions de lectrice. Pour ensuite les rendre, essayer de les rendre en tout cas dans la traduction. Oui, c'est ça, c'est quand même un poème qu'on lit avec les oreilles, un petit peu. Et y a beaucoup, beaucoup d'allitération, ça c'est le premier truc qui est... En fait, il ne faut pas s'étonner parce que déjà l'auteur s'appelle Robert Robbins. Bon, déjà avec un nom pareil, forcément, ça pousse à l'allitération et il y en a partout. Quoi. C'est vraiment... Donc voilà, il y avait des questions de savoir, pour moi, c'était la voix d'un enfant. C'était des souvenirs d'enfance. Et c'était des souvenirs d'enfance qui étaient provoqués par la lecture d'un livre avec Zanzibar en dernière page. Ah oui, alors que moi, j'ai pas senti du tout un enfant. J'ai plutôt senti quelqu'un qui était à bord d'un navire, ou un navire peut-être métaphorique, mais qui rentrait, qui revenait à Zanzibar et qui parlait de ses impressions, livrait ses impressions. C'est curieux, hein ? Oui, ben voilà, c'est ça, on est... Ben ça y est, on est dans le vif du sujet. À ce propos, d'ailleurs, puisqu'on n'a pas du tout la même... Enfin, la voix ne va certainement pas être du tout la même dans nos deux traductions. Je voulais dire, moi, que le sens a été assez secondaire pour moi. Il y a plein d'endroits dans ce poème où je ne sais pas trop où on est, dans quel lieu physique. Hein. On a l'impression d'être parfois dans un lit, parfois à bord d'un bateau, etc. Donc, je ne me suis pas attachée énormément au sens, à comprendre plutôt, enfin au sens bien sûr, mais je ne me suis pas attachée à comprendre exactement où était le narrateur, ni quelles étaient ses circonstances physiques, contrairement à ce que je pourrais faire dans une traduction de roman, par exemple. Là, je me suis laissée plutôt bercer par la musique. Alors, dans les diapos suivantes, je vais vous proposer cette disposition, c'est-à-dire l'anglais au milieu et de part et d'autre, les traductions de Catherine et Mireille. Alors, je me suis permis de surligner en vert des passages qui m'avaient particulièrement frappée, que je trouvais peut-être intéressant de commenter. Pour ne pas surcharger, je n'ai pas non plus verdi la version originale. J'ai souligné des petites choses des fois que ça vous inviterait, ça serait des invitations pour que vous nous en disiez un peu plus. Mais il est évidemment clair que vous commentez exactement ce que vous voulez. Enfin, pour lancer la discussion. Donc, le HDT est donc Thoreau, parce que le titre, au moins du poème, et on verra une partie du contenu, est directement inspiré d'une phrase de Walden qui dit que c'est pas la peine d'aller à l'autre bout du monde et compter les chats de Zanzibar pour se connaître soi et que la meilleure chose à faire, c'est de pratiquer l'introspection.
Voilà. D'accord. Donc, on comprend beaucoup de choses d'un seul coup. Donc, le titre du poème est assez proche de la citation de Walden. Alors, ma première question, c'est que vos titres ne sont pas les mêmes. Pourquoi Catherine Conté, Mireille Chiffré? Oui, moi j'avais mis Conté d'abord, et puis j'ai eu envie de mettre Chiffré les chats, juste pour garder le Counting Cats, de garder cette allitération. Et puis, voilà, c'est plutôt... Je ne sais pas si je l'aurais vraiment gardé, parce que c'est... Conté les chats de Zanzibar, c'est bien aussi. Et puis Chiffré... Alors, ouais, les chats à Zanzibar, là, je n'ai pas aimé le son. Oui. Donc, du coup, j'ai... Mais voilà, c'est ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en fait, on réfléchit à tout, on pèse tout, on rechange tout, on essaie toutes les formules possibles. Et puis voilà, au final, on choisit. Ouais, ouais. Mais bon, ça aurait pu être compter les chats à Zanzibar, je l'ai eu aussi. Je veux dire, c'est. Ah, et là, t'as plus la parole. Je n'ai plus rien à dire. Ça marche plus? Donc alors voilà, oui, pour le titre, moi, c'est, ça donne tout de suite une orientation, en fait, mais ça, qui pourrait d'ailleurs être démentie par la suite. Mais Chiffrer les chats de Zanzibar, je ne m'attends pas du tout à la même chose que ce que j'ai traduit moi après. Hein. Donc, je pense que je ne vais pas être déçue. Donc, il y a, si je peux attaquer dans le vif du vers, de ce qui est surligné en vers, dans le roulis de l'endormissement ou bercé... On est dans la même mouvance, c'est le cas de le dire. Mais mes os frémissaient en phase avec le chuchotis suintant de l'océan. Je remarque tout de suite qu'on a cherché toutes les deux à rendre le bruit de la mer, qui est décrit avec des mots pas spécialement courants. The sea's sibilant whisper. C'est pas sibilant, c'est un mot qu'on croise pas tous les jours en anglais. Et en français, il serait plutôt... moi, je l'ai évité parce qu'il a une tonalité un peu médicale. Oui, ou linguistique. Ou linguistique, oui. Donc, j'ai préféré m'orienter vers l'allitération. Whisper, etc. Ça évoquait manifestement le bruit de la mer. Donc, je suis arrivée au chuintement mousseux parce qu'il fallait que ça... Sibilant, c'est sifflant, hein, sibilant. Mais donc il fallait que ça chuinte, que ça siffle et que ça murmure en même temps. Donc j'ai opté pour cette solution que toi tu as rendue par le chuchotis chuintant. On arrive au même. Oui, et frémissez en phase. Enfin, c'est ça. C'est vrai que moi, pour ce poème, j'ai vraiment j'avais eu envie d'allitération parce que ça me semblait. Alors ce que j'ai trouvé bizarre. C'est l'imparfait au début. Le wood. Wood. Ah wood oui, buzz, aussi, parce qu'après il passe cheveux blancs là. Bah, après il passe au présent. Donc je sais pas, j'ai pas très bien compris pourquoi ce verbe-là était à l'imparfait et enfin ouais. Alors et moi après... je suis allée faire un petit détour par la linguistique, la grammaire, etc. Le wood pour moi c'était ce qu'on appelle un wood fréquentatif. Mmh. Donc ça indiquait un recommencement. Qui va bien dans le sens du chuintement de la mer, enfin du bruit de la mer, et raison pour laquelle j'ai ajouté toujours. Mes os résonnaient toujours du chuintement mousseux de la mer. Ah oui. C'est un ajout de ma part, mais il me semblait qu'il fallait quelque chose qui indique la récurrence. Oui. Alors que moi, j'ai pensé que ça s'exprimait par le fait que ça, ce soit au passé et le reste, il ne soit pas. Enfin, moi, j'ai failli mettre au présent, en fait, ce verbe. Non, je ne me serais pas permis. Oui, ben moi non plus, je ne me suis pas permis, mais j'ai pensé. Je ne me serais pas permis de le penser. Alors, sur l'ensemble de ce petit paragraphe, et notamment la dernière phrase, « It is all written on the last leaf of a book that brings walrus and yak together back to back before the island appears. » Quelle mise en situation lisez-vous là? Parce que d'ailleurs, c'est assez drôle, quand j'ai lu les traductions, si vous regardez « Walrus that brings walrus and yak together back to back », d'un côté, j'ai un livre qui rassemble morse et yak, et de l'autre côté, j'ai un wallaby et un yak. Ouais, elle était très inquiète, Sophie. Oui, j'étais très inquiète. Elle me dit, t'es sûre, là, ton coup, parce que morse, c'est pas... T'es sûre que t'as pas un repentir? Les wallabies s'appellent des morses. Et en fait, tout tient à...
la lecture, enfin l'interprétation, voilà. Je vous laisse. Donc voilà, parce que moi, ce que j'ai vu là, et ça explique aussi pourquoi il y a un imparfait au début, c'est que c'est dans la tête d'un enfant, et c'est dans la tête d'un enfant qui lit un livre d'images. Et donc, c'est pour ça que j'ai un livre illustré, parce que je voulais insister là-dessus. Et donc, il y a des lettres, et il y a Wallaby, et c'est la fin du livre, Wallaby, Yak, enfin W, Y, et à la fin, Z, Zanzibar. Donc, ah, oui, je ne pouvais pas avoir Morse, qui était un... Qu'est-ce que c'est un Morse ? Toi, tu as mis Morse ? Oui, j'ai mis Morse, puisque Walrus... Ah, mais tu n'as pas mis comme l'animal. Walrus, c'est un Morse. Ah oui, pardon, oui, merci, oui, bien sûr. Donc voilà, oui, je me suis tenue à ce qui était écrit, voilà. Et j'ai cherché ce livre. Je l'ai cherché. J'ai fait des recherches pour trouver pour trouver de quel livre il était question, pour avoir une indication, puisque je me disais peut-être il faut voir dans ces deux animaux des symboles de deux pays entre lesquels naviguerait parce que le narrateur, je le voyais sur un navire. Donc je me suis dit peut-être il y a une symbolisation de continents ou des choses comme ça. Puis j'allais nulle part, bien sûr, mais évidemment, j'aurais dû chercher qui était HDT. Bah, oui, mais moi, je ne sais pas, c'est une interprétation, mais là, moi, j'ai vu, donc, c'est pour ça que moi, je n'ai pas vu du tout une personne dans un bateau, j'ai vu quelqu'un qui était un enfant, qui lisait ce livre d'images et qui voyageait en voyant cette image de Zanzibar, et tout le reste, pour moi, c'est cette description de Zanzibar qu'il lit ou qu'elle lit, puisque ça, on arrivera à ça bientôt. Donc dans cette histoire-là, donc W. Alors j'aurais pu mettre Wapiti, j'avais pensé à Wapiti. ça pouvait être bon. Je me suis dit Wallaby, c'est rigolo. Et puis voilà, il fallait que ce soit W Y dos à dos. Donc puis c'est les pages qu'on tourne. Et puis enfin Zanzibar, quoi. L'île, c'est Zanzibar pour oui. Moi. Donc avant que l'île n'apparaisse, pour moi, il était à bord d'un bateau, il arrivait à l'île. Ah oui, alors, oui, mais je n'ai pas du tout vu ça comme ça. Oui, sauf qu'une fois qu'il a tourné la page où il y a W et Y, il arrive à Z, effectivement, mm-hmm. Il arrive à Zanzibar. Donc en fait, à l'inverse de l'introspection proposée par Thoreau, on a probablement un narrateur qui se laisse promener par ses sensations. On va voir, ce poème est très, très ancré dans les sensations. Ah, on est toutes les deux amarrées. Oui. Alors, vous êtes toutes les deux amarrées, mais il n'échappera pas, évidemment, à notre public que Catherine a sous-entendu un narrateur masculin, alors que Mireille a vu une narratrice féminine. Alors, évidemment, je vous pose la question, quelles sont vos motivations ? Le poème ne fournit que trois instances, si j'ai bien compté. Surtout, le poème en anglais ne fournit aucune indication, évidemment, de savoir si c'est quelqu'un, si c'est un. Enfin, moi, j'ai vu ça comme un enfant, donc un garçon ou une fille. Alors, vas-y, Catherine. De mon côté, moi, c'était un adulte ou un jeune adulte qui naviguait. Donc, et puis certainement que influencé. À mon insu, par le nom de l'auteur, j'en ai fait un narrateur masculin. Il n'y a aucune raison d'en faire un narrateur plus masculin que féminin, en effet. Alors toi, peut-être tu as arguments contre. Moi la seule chose, c'est que j'ai demandé à un moment si on pouvait contacter l'auteur. Parce que typiquement, c'est le genre de choses, je ne me permettrai pas de le mettre... Parce qu'évidemment, c'est un auteur masculin, mais son narrateur, on n'en sait rien s'il est féminin ou masculin. Fait. Donc, c'est typiquement le genre de question que je poserai à l'auteur pour le décider. Mais dans les règles du jeu, de la TLF, on ne contacte pas l'auteur. Si l'auteur était mort, Si l'auteur était mort, ça serait un autre problème. Chaque problème a sa... On va pas tuer nos auteurs. Mais dans le cadre d'une joute, moi je trouvais que c'était intéressant justement de se passer de toute. Oui, c'est intéressant. Donc voilà, moi je me suis dit, je me suis identifiée à cette gamine en fait. Voilà, je me suis dit, c'est cette petite gamine qui lit son livre d'histoire, qui arrive à Zanzibar, et cette page de Zanzibar lui fait, lui provoque des souvenirs ou des projections avec des odeurs, avec des, plein de choses. Et je n'ai jamais su si elle est véritablement allée à Zanzibar ou pas. Mais donc, moi, bon, j'avais envie que... Voilà, pourquoi pas que ce soit une petite fille. Alors, c'est une situation qui arrive souvent quand on traduit de l'anglais. Hein, on est un peu coincé. Et c'est vrai que... on essaye... Enfin, moi, je me rappelle avoir essayé, sans y parvenir, de gommer toute marque de genre.
Et en fait, c'est assez compliqué en français. C'est terriblement compliqué. Oui. Il faut trouver des adjectifs qui ne varient pas dans le genre, uniquement dans le nombre. Enfin, et du coup, eh bien, évidemment, tout ce qui est participe passé est complètement exclu. C'est surtout inutile si l'auteur est vivant. Mais c'est vrai, on voit souvent friend en anglais. Bon, friend, plaf. Est-ce qu'on sait si c'est un homme ou une femme? On n'en sait rien. Donc, il y a des fois, ça n'a aucune importance, il faut bien se le dire aussi, mais il y a des fois où je pense que ça a vraiment une importance. Tout dépend du contexte, quoi. Et dans ces cas-là, bah, si l'auteur est encore vivant, bah, oui, autant demander, quoi. Mais on peut se trouver aussi dans le cas de figure où l'absence de précision quant au sexe ou genre du narrateur est important. Il peut y avoir, on peut avoir ce petit jeu d'incertitude à mener jusqu'au bout et sur une très longue durée. Donc, bon là, ça ne m'a même pas effleuré, je dois dire. Donc, qu'est-ce que tu as fait, toi, un cocon de couverture qui était... Oui, moi j'ai... A bed of bundled blankets, oui. J'aime bien le capharnaüm de couverture. Je n'aurais même pas mis en vrac, tu vois. Ah bah, il m'en fallait un de plus. Mais bon, déjà, le capharnaüm, c'est bien en vrac, quand même. Oui, mais il me fallait un que de plus. Ah, c'est ça, c'est le que de plus. Bien sûr. Ouais, c'est ça, c'est marrant parce que bundled, c'est un mot... Il y a vraiment le sens d'entasser, de réunir... C'est un baluchon, hein. En boule. Oui. Et c'est, par exemple, quand on parle d'un bébé, on dit « my bundle of joy ». C'est l'idée de langer aussi. Enfin, vraiment de... Donc, c'est pour ça que j'avais envie de cocon. On a fait un cocon, ouais, oui, d'accord. Ouais, ouais. Mais « bundled », ça veut pouvoir aussi dire que c'est un peu le bordel, que c'est... donc c'est plus le capharnaüm. Ouais, c'est... Et toi, tu ajoutes des... Enfin, tu crains pas d'ajouter des syllabes puisque tu mets lassé d'inhaler. T'aurais pu très bien, on aurait pu, même avec une narratrice, une petite fille, on pourrait très bien dire lasse d'inhaler la poussière sèche à longueur de journée, mais toi tu. Bah, lassé d'inhaler, tu t'accordes... on retrouve les et qui sont ensemble. Bercement, ouais. Ouais. Et. Alors, j'attire aussi votre attention sur ce paragraphe en vert, enfin la fin du paragraphe. Je regarde le défilé de visages noirs drapés de blanc qui déambule. Je suis des yeux la procession de visages noirs voilés de blanc, tresses de cannelle et d'esclaves de cinabre et de détresse. Entre là de cannelle et d'esclaves de cinabre et d'affliction. Avec un vrai travail là sur les sons. Et des parties pris, des choix différents. Défilé déambule, tresse, détresse. Ouais, alors, voilà, dans la rue, par exemple, que tu as gardé, moi, j'ai hésité. Puis, il y a un moment, je me suis dit, ce dans la rue, il m'alourdit tout. Et en fait, je me suis dit, une procession, c'est où? C'est forcément dans la rue. Enfin, c'est un raccourci qui est envisageable. Voilà. Mais moi, ça me paraît un peu on est moins ancré dans le paysage. Si tu enlèves la rue. Ouais, ben oui, mais c'est ce que tu as choisi en fait. Ouais. Pour le son, parce que je trouvais que c'était plus, voilà. Et puis parce que c'est vrai que j'ai un peu cette tendance à me dire, bah ça c'est évident. Et bon, des fois il faut faire attention parce que s'il l'a mis dans le texte, il faut le garder. Alors mais... moi, t'es allé jusqu'à voiler et moi je me le suis refusé celui-là. Ouais. Parce que le voile, alors Ben, mais texte... c'est des visages qui sont enveloppés. Donc, mais le voile était trop chargé, ouais, par rapport à justement ça a une connotation religieuse. Bah, t'es à Zanzibar quand même. Oui, mais justement, elle y est hein, dans la processing, c'est une procession, mais la connotation religieuse du voile, moi, je l'ai évitée. D'accord, oui. Mm-hmm. Donc drapé, oui. Et bon, ensuite. Et déambule, voilà, c'est ça. Moi, j'aurais pas utilisé déambule parce que je trouve que processing, il y a quand même quelque chose de plus formel, de plus. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ouais. Comment je l'avais importé, celui-là amené, le défilé de visage. Oui, c'est-à-dire que je perdais un petit peu de la procession avec le défilé. Donc, je l'ai compensé avec déambule. Enfin, je l'ai remusclé un peu. Voilà, si je puis dire. Les tresses de cannelle et d'esclaves, de cinabre et de détresse, en fait, j'avais pas des tresses au début.
Qu'est-ce que j'avais ? J'ai pris des notes parce qu'après je me souviens de rien. De tristesse, ce qui allait pas mal aussi. Puis après je me dis mais détresse et tresse, enfin ça faisait vraiment, on pouvait. Là c'était un peu de la chance quand on parlait des miracles un peu des fois. Tu t'es fait plaisir. Ben, voilà. Et puis toi pareil, hein, c'est joli aussi entre la de cannelle et d'esclave, de cinabre et d'affliction. Oui, mais l'affliction, je ne la mettrai pas là aujourd'hui. Je garderai mon chagrin que j'avais. Ah oui, chagrin, c'était bien. Oui, aussi, voilà, ouais. L'affliction, c'est un peu l'artillerie lourde. Oui, parce qu'on n'arrête pas de tout changer, de chaque fois qu'on regarde de nouveau le texte. Bien sûr, de membre. Voilà, c'est pour ça, c'est quelqu'un de jeune. Moi, j'ai senti ça là, comme vraiment quelqu'un, un enfant, une enfant. Oui, moi, ça ne m'avait pas du tout effleuré que ça puisse être un enfant, parce que justement, il y a cette introspection. Le personnage qui raconte ce passage, enfin ce poème, analyse ses sensations. Il est trop jeune pour sentir donc la sueur de membres déformés ou tordus, on arrive à la même chose, ou goûter les larmes, d'autres larmes que les siennes. Alors, justement, comment vous avez compris « the sweat of twisted limbs » et « the tang of any but my own tears » ou « the tang of other people's tears » ? Moi, j'ai vu l'esclavage ou une forme de voilà de. C'est cette affliction, enfin ou ce chagrin qui était le dernier mot du paragraphe précédent, qui est un petit peu répercuté dans cette description, enfin qui est carrément répercuté dans cette description. Les membres tordus, le twisted limbs, c'est vraiment c'est fort. Moi, ça me fait penser à cette chanson de Billie Holiday. Le Strange Fruit, où il y a une description d'un lynchage de pendus, et on les a, les twisted limbs le sweat of twisted limbs, c'est vraiment c'est fort. Hein. En plus, bon, il y a aussi le travail des sons qu'il fallait respecter. Oui, et finalement, dans ce passage, cet enfant, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit je suis trop jeune. Pour comprendre tout ça, c'est ça. Je ne suis que dans les sensations. Mais pour moi, elle regarde toujours son livre d'images et elle voit, elle voit des esclaves et elle comprend pas. Donc elle a des sensations, mais elle comprend pas ce que ça veut dire que ses membres déformés. Pourquoi il y a des pleurs. Enfin, elle comprend pas ce chagrin, quoi. Elle comprend pas cette espèce de situation. Elle est dans la sensation pure. Et d'ailleurs, les verbes auxquels on s'est heurté, je pense que toi aussi, tu as eu du mal avec ça, non ? On s'est retrouvé avec des smell, taste, feel, sont tous des verbes très simples, mais qui sont très difficiles à manier. Mm. Ben d'ailleurs, dans ce dernier paragraphe, « I smell the gutted fish waiting for the pan. I feel the slick, the swirl of intestines and the button heart. In my hand. Vous avez, et je vais vous demander si vous voulez bien de lire ce passage à haute voix, l'une et l'autre. Alors, soit vous lisez le vôtre, soit vous lisez celui de votre collègue, comme vous voulez, mais qu'on entende justement les sons. On va peut-être lire chacun le sien parce qu'on le connaît un peu mieux. Oui. Bon, allez, j'y vais. Je sens l'odeur du poisson vidé qui attend la poêle, et sous mes doigts, l'amas glissant des intestins et le cœur pas plus gros qu'un poids. Je flaire le poisson vidé qui attend la poêle à frire. Je sens le tourbillon visqueux des viscères et le petit cœur rond au creux de ma main. Pas plus gros qu'un poids. Ah oui, the button. Button heart. Ouais. Alors là, il y avait quelque chose qui m'a un petit peu, qui m'a un petit peu posé, pas un problème, mais je me suis posé une question à ce propos. L'auteur écrit « I feel the slick, the swirl of intestines ». Donc j'ai pensé qu'il y avait une coquille. Un article de trop. Oui. I feel the slick swirl of intestines, c'était cohérent. Mais à la réflexion, je pense qu'il n'y avait pas de coquille. Le texte est très bien léché. L'orthographe, en tout cas, est irréprochable. Donc je pense qu'il n'y avait pas de coquille et je rétablirai quelque chose. Moi, je dirais, sous mes doigts, il faudrait rajouter quelque chose, l'amas glissant. Je sais plus ce que je pourrais. Je suis plus vraiment dans la phrase, mais il me manque un petit morceau du coup, parce que je pense que l'article. Le swirl, il y a quand même the cette slick, notion. The swirl, oui. Donc, the slick, the swirl.
Oui, c'est vrai que... et c'est vrai que si on écrit le tourbillon, le visqueux, ou le, bon, ça va faire bizarre en français, et on devrait peut-être faire bizarre en anglais. Ouais. Mm-hmm. On aurait peut-être... Donc on aurait... J'ai loupé un truc, là. Ouais. Ouais. Ça va, toi aussi. Oui, on a loupé ensemble. Alors, entre les oublis et les ajouts, j'en profite pour faire une remarque juste formelle, surtout destinée au public. Vous aurez remarqué depuis le début que l'anglais est toujours plus court que le français. Et ce qui est assez étonnant, c'est que c'est une constante. D'ailleurs, Catherine et Mireille, vous êtes relativement proches en termes de ce qu'on appelle, nous, taux de foisonnement, donc entre l'anglais et le français. Hein, entre les paires de langues, le taux de foisonnement diffère. Et de l'anglais au français, on sait que, en général, la longueur du texte cible en français va augmenter de 20 à 25%. En volume, voilà. Parce mais je suis pas sûre. Il faudrait qu'on compte, mais je suis pas sûre parce que là, ouais, mais t'as triché. Là, regarde, t'as mis plus d'espace, plus de largeur au texte en anglais. Pas du tout. Parce que moi, je sais qu'en général, on a beaucoup plus de mots, mais moi, c'est très souvent, je tombe un peu sur mes pattes, quoi. J'ai pas beaucoup. C'est pas seulement beaucoup plus de mots. On a des mots beaucoup plus longs. Hein. L'anglais, il est très concis parce qu'il a toutes sortes de mots qui viennent de la partie germanique de la langue, alors que nous, on galère avec nos articles et nos. Il y a une phrase, je ne sais plus dans laquelle, à la fin, dans l'avant-dernier paragraphe, je crois, où il a fallu que je me batte pour éviter d'avoir cinq fois le mot de. D-E. Ah ouais, ça c'est et horrible. Et j'ai vraiment galéré pour les éviter, parce ouais. que c'est infernal en français, alors que l'anglais est tellement concis. Apostrophe S, hop, ça glisse tout de suite, et nous les deux, le truc du machin, du bidule. Alors, dans ce paragraphe, je voulais vous interpeller sur la première phrase alors après, voilà, c'est votre interprétation, et vous avez eu une interprétation différente, me semble-t-il. Mireille a choisi vraiment de privilégier la généralité, qui dit entrailles, dit chat. Alors que Catherine a essayé de trouver une formulation, il me semble, un peu plus ancrée dans la singularité. Il y a les deux, hein. En anglais, il me semble qu'il y a les deux. Donc, oui, moi, j'ai même pas mis de poisson, c'est ça? Parce que, on vient juste d'en parler, c'est ça? Oui, on est, non, non, c'est, est... oui, mais ouais. C'est plutôt la syntaxe. Ah, là, oui. Là où qui dit, il y a et qui dit. Ouais. Et c'est quoi la question? La question, c'est toujours la même. C'est pourquoi vous avez choisi. Cette formulation. Voilà, bah là où il y... Oui, c'est vrai que c'est peut-être plus proche de l'anglais. Oui, moi, je suis plus proche de l'anglais, donc je te laisse parler de ta formulation à toi, parce qu'il doit y avoir une autre motivation. Non, moi, je pense que c'est là où il y a des... Enfin, c'est un peu pareil, le sens. Qui dit entrailles et écailles scintillantes sur le bois imbibé, dit aussi chat, innombrable et... Enfin, je sais pas, je pense qu'au niveau du sens, c'est... Ouais, non, c'est vrai que c'est peut-être pas forcément pareil. Oui, sauf que sur la fin de la phrase... On est dans une situation de plus en plus singulière, de plus en plus spécifique. Ouais. On est au crépuscule, on a toutes ces sources de lumière. Alors, le champ thématique de la lumière en anglais, on sait. Du coup, en français, c'est le casse-tête. Je vous laisse regarder peut-être même lire, hein, ce passage. Alors, oui, en anglais, ça donne « The perfumed glow of evening star and fitful flames ». Et... Alors, t'as mis quoi, toi ? Alors, moi, j'ai mis « La clarté parfumée d'étoiles du berger et flammes fiévreuses ». Et moi, j'ai mis « La lueur parfumée de l'étoile du berger et des flammes affolées ». Voilà, moi, j'ai resserré, j'ai supprimé déjà un article en resserrant « L'étoile du berger et flammes affolées », ce qui n'est pas forcément très heureux à la relecture, je trouve, mais il fallait éviter ces articles pour moi. Alors c'est marrant parce que ta solution de départ, qui dit entrailles et écailles, dit aussi chat, est très économique. Et après, pan pan pan, tu t'alignes les deux et les dus. Ben, parce que moi, je n'ai pas vu ça... attends, la clarté parfumée... Parce que dans ta phrase, ça veut dire que la clarté parfumée...
d'étoiles du berger et flammes fiévreuses, elles ne sont pas reliées, si tu veux. Si, elles sont la clarté est parfumée de ces deux choses-là. Ah ouais. Oui. Oui, oui, c'est bon. J'ai eu un D de plus, hein, c'est tout. C'est pas vraiment. C'est pas vraiment. Oui, je pense que c'est vrai que. En fait, c'est toi qui m'y fais penser. C'est vrai que je pense que c'était plus économique de dire qui dit entraille, dit machin. Donc, mais tu es économique jusqu'au bout, hein, d'ailleurs. Et c'est oui, là, pour le coup, sont venus réclamer leur dû. Moi, je fais piètre figure avec leur part de la pêche. Bah, t'as une allitération, du coup, quand même. Elle était en anglais? Je sais pas. Bon, de toute façon, alors ça, c'est quand même quelque chose. Moi, j'en étais plus à me demander si j'étais exactement au même endroit pour les allitérations. Simplement, c'est un texte. Si. Ah ben non. Ah moi j'essaye et puis si ça moi, marche pas, je déplace. Ah ben voilà. Mais, oui. Tu dis un peu la même chose là. Oui, mais là c'était ouais. Non, il n'y avait pas d'allitération en plus donc. Mais c'est marrant qu'on ait on a quand même plein de choses qui sont exactement pareilles. Hein. Ça c'est. Heureusement. Bah heureusement oui une fois. Mais on a toutes les deux le pêcheur musclé. Alors, oui, que moi j'aurais dit musculeux d'ailleurs, parce que oui, il est, plutôt que musclé. Mais c'est pas, c'était qu'est-ce pas qu'il à est moi en de anglais, traduire. Muscled. Il est muscled. Muscled. Ouais. Ouais. Pas muscled. J'y ai pensé, mais... moi, mais musculeux, je le voyais trop caricatural. Puis c'est un peu. Moi, comme j'ai le parti pris, c'est que c'était une petite fille. Et il y a des fois où ça me gênait justement qu'il y ait ce vocabulaire aussi précis à des moments, parce que des fois le vocabulaire est très simple. Il choisit des mots très simples. Et donc j'étais un petit peu. Oui, il y a d'autres fois où le cinabre, je suis pas sûre que. Oui, bah exactement, c'est ça. Il y a des. Oui, oui, oui. Alors, il se passe quelque chose à la fin de ce paragraphe, là. I am impatient, et puis ensuite ouais. Indifferent, mais I long for. Ouais. Alors, long for. Oui. Qu'est-ce que t'as mis, toi? J'attends. J'attends. Et alors, et moi, toi, j'ai hâte. J'ai hâte, ouais. Long for, moi, il me semble qu'il y a vraiment une idée d'impatience oui, et tout ça. Et j'ai failli mettre, et alors ça, c'est drôle parce que, étant à Clermont-Ferrand, et moi, étant auvergnate, j'ai toujours dit, je languis. Moi, j'aurais marqué ici, je languis de ce qui vient ensuite. Mais j'ai déjà marqué languir dans des traductions et on m'a dit quoi, mais ça c'est un régionalisme ou un. Et je suis tombée des nues, quoi. Ah bon, mais moi je languis de te voir, je languis d'y aller. Pour moi, ça, c'était un verbe qui était tout à fait ce langue en anglais. Et donc j'essaie de ne pas mettre des languir dans mes textes, mais instinctivement j'aurais mis voilà, je languis de ce qui vient ensuite. Mais bon. Mais est-ce que c'est bien construit ça? Je languis de ce qui vient. Ben moi c'est comme ça que je le dis. Hein. Oui. Ah bah c'est oui, très c'est bien comme construit. Ça qu'on l'entend. Alors dans mais le oui, midi c'est même pas... je me languis. Oui. Oui. Ah oui moi je languis d'y aller, je languis de te voir, je languis de. Enfin je l'utilise oui. vraiment comme ça. Enfin je l'ai toujours entendu oui, comme ça. Oui je languis de te voir. T'as un infinitif après mais tu dirais pas je languis de ce qui vient ensuite? Bah si. Ah bon. Enfin, je sais pas. Enfin, en tout cas, je l'ai pas mis parce que bon moi, voilà. Je dirais peut-être mais je l'ai. Parce que je me suis aperçue que c'était un régionalisme. Mais voilà, moi, enfin, il me semblait qu'il y avait quand même la hâte, quoi. Alors, ce paragraphe, il est particulièrement intéressant parce que c'est le passage où vos choix syntaxiques sont les plus divergents. Mm-hmm. Alors, ah oui, parce qu'il était compliqué ce paragraphe. Hein. Oui, c'est-à-dire dans vos découpages des groupes, notamment des groupes nominaux, vous avez fait des choix différents, et puis vous avez fait aussi des choix. Différent en termes de restitution de ce que moi j'ai perçu comme étant un rythme un peu lancinant de cette longue première phrase sans verbe et Mireille qui elle a introduit un verbe pour annoncer les échos. Est-ce que c'est des choix conscients de votre part? Comment vous avez négocié toute cette partie-là? Ben c'était compliqué. Moi, pendant, je l'ai eu longtemps, j'ai trouvé que c'était tordu en anglais, je dois dire. Oui, parce que c'est plus attentive à ci qu'à ça, et après, il n'y avait plus de comparaison, en fait. Il n'y avait plus de la plus attentive à l'écho qu'à la clameur. Et donc, j'ai rajouté, oui, voilà, j'ai mis je capte, parce que sinon, je ne savais pas comment le. Je sais pas comment tu as fait, toi. Justement, je me suis cassé la tête hein, pour respecter cette phrase sans verbe. Donc, j'ai pas de verbe. Mais j'aime pas ton capte. Mm.
J'aime pas c'est un verbe trop récent, je trouve, trop. Non, mais je l'ai mis dans le sens de capter, vraiment de oui, recevoir. Capter, c'est pas, je comprends. Oui, mais c'est vraiment une sensation, si tu veux. Oui, c'était justement oui. Pour sortir des feels, donc on sent, parce que ça, c'est aussi le problème, c'est que en anglais, I feel, je sens. I smell, je sens. Oui, ça nous a poursuivi alors, voilà. Tout le long. Et donc, on se retrouve avec ce verbe sentir à tous les étages, quoi. C'est donc j'avais envie d'être dans cette espèce de voilà de sensation, de sensoriel, quoi. Donc capter pour moi, ça permettait de, enfin, je sais pas, j'arrivais pas à, ouais. Ça me semblait... à balancer la phrase sans verbe. Ouais. J'aurais pu, je voulais. Plus attentive à l'écho qu'à la clameur, la réverbération d'une supplique. Au début, j'avais ça, puis je me suis dit, mais on ne comprend rien du tout. Quoi. Enfin, c'est... Et moi, ce que j'ai fait aussi, c'est, ce qui m'a tordu l'esprit quelque temps, c'est justement d'éviter le plus attentive à l'écho que. À l'écho que. Ah oui. Et je l'ai un peu retourné dans tous les sens. Et ça, forcément... On arrive à des trucs qui ressemblent, qui me font un peu penser des fois à Marquise Bell, vos 12 yeux d'amour mourir me font. Donc on change la place des mots et on élève un petit peu le registre. Et là, le registre est un petit peu plus, tout du long, je crois, dans ma traduction, le registre est un petit peu trop soutenu par rapport à la narration en anglais. Et donc c'est marrant. Là, attentif à l'écho plus qu'à l'appel. Moi, j'aime bien ta clameur. Je l'ai pas trouvée, celle-là. À la lointaine réverbération. Donc après, oui, on a un cri devant une cahute. Voilà. Et alors moi, j'ai trouvé aussi, tu vois, le en bord de route. Je l'ai pas mis. Oui, parce que j'ai trouvé que c'était que ça alourdissait et que bon, voilà, c'est l'idée, c'est quand même ce qu'il entend, enfin, ou ce qu'elle ressent et ce qu'elle comprend de tout ça, quoi, plutôt que exactement où c'est. Oui, mais en même temps, la sensation, elle est ancrée dans un paysage. Et là, quand on en supprime un petit bout, tu supprimes quelque chose de visuel, donc tu restes dans le l'ouïe, en fait, dans ce qui relève de l'ouïe, et on t'en enlève un petit peu du côté du regard. Et ensuite. La plainte pantelante. Oui. Alors, par exemple, dans le dernier paragraphe que j'ai mis en vert, d'un côté, donc Catherine, ceux qui suivent puis abandonnent. Alors, attendez, je suis en train de me. Ceux qui suivent puis abandonnent. Les traces sanglantes d'hommes vifs et brusques qui dominent. Et Mireille, je suis à l'écoute de ceux qui suivent, puis renoncent, du sillage sanglant d'homme bâclant la besogne. C'est-à-dire, en fait, toi, Mireille, tu as raccroché le sillage sanglant à l'écoute. Tout ça pour dire que vous n'avez pas découpé syntaxiquement le paragraphe de la même manière. Ben oui, elle était compliquée, cette phrase. Hein. Vraiment, c'est... Mais moi, je... En anglais, moi, ce que je comprends là, I listen for the ones who follow, then abandon the bloody traces, etc. Le narrateur ou la narratrice, donc, écoute, guette à l'oreille. Ceux qui suivent, abandonnent et. Oui, mais c'est la virgule qui tue là, parce qu'en fait. Et oui, la virgule anglaise, voilà. Et parce que la virgule anglaise, c'est follow, then abandon, virgule. The Bloody Traces, moi je l'ai lu comme ça. Je me suis posé la question de savoir si c'était Abandon the Bloody Traces. Mais à ce moment-là, la virgule n'a aucun sens. En anglais, si, elle est obligatoire. Ben non. Non. Un anglais mettra toujours une virgule à cet endroit-là. Ah ben non. Non. Ah. Ben non, si c'est le sens d'abandonner les traces sanglantes, pourquoi il dirait Then Abandon the Bloody Traces? Non. Parce qu'il y a deux verbes. Okay. Voilà. On peut jouer 15 minutes sur une virgule. Oui, bon alors, la virgule, d'accord. Donc ça explique nos choix différents. Ouais, attends, est-ce qu'on peut revenir sur le corbeau? Parce que toi, tu as des oiseaux noirs. Moi, je me suis quand même vraiment posé la question. Ah oui. Parce que c'était des blackbirds. Et alors, les blackbirds, en anglais, quand ça se tient, c'est des merles. Bon, là, ça ne se tenait pas, donc ce n'était pas des merles. Et puis, il n'y a pas de merles à Zanzibar. Les choses qu'on apprend en faisant des traductions. Et alors non, c'était juste pour vous dire que j'avais quand même trouvé... Moi, j'ai mis des corbeaux
Et en fait, je l'ai un peu regretté parce qu'il me semblait, parce que j'aimais pas le son d'oiseau noir, je sais pas. Et en fait, il y a aussi, en recherchant les oiseaux noirs de Zanzibar, j'avais trouvé des aigrettes ardoisées. Oh, j'ai trouvé vraiment superbe, mais bon, c'était ridicule de le mettre là, quoi. Et en fait, je pense que dans l'idée de ce vocabulaire d'une enfant, sans doute qu'oiseau noir, c'était beaucoup mieux. Mais apparemment, il y a beaucoup de corbeaux à Zanzibar qui envahissent ces charognards. Oui, mais c'est ça, je pense que c'est des charognards. Et l'esprit de cette petite fille, c'est ça. Alors, juste pour dire qu'on se pose beaucoup de questions. Ben oui. Alors là. Ah oui, les cat's paws. Elles ont toutes les deux raisons. Cat's paw veut dire à la fois. La risée, donc une petite brise sur l'eau, et évidemment la patte de chat. Ah ben oui, moi, j'ai une objection. C'est que je disais tout à l'heure que l'orthographe de ce texte était très très soigné, et j'ai cherché donc le cat's paw. Il m'a posé autant de problèmes qu'à toi, je pense. Et cat's paw, quand il est écrit d'un seul tenant, c'est le nom du vent. Sinon, il est écrit avec dans le cas des bruits de pas, pas feutrés du chat ou autre, il est écrit avec une apostrophe et en deux mots. Oui, bien sûr. L'argument linguistique est imparable. Est-ce qu'on n'est pas en train de compter des chats à Zanzibar? Mais depuis le début, on compte des chats à Zanzibar. Oui. Tout le reste du paragraphe. Watch the whiskers, smell the clover. Alors d'ailleurs, je pense que c'est clove et pas clover. Oui, mais oui. Bon, taste, etc. Et dans la diapo précédente, j'avais souligné discrètement un I listen for the ones. Et là, j'ai I listen for the cat's paw. Moi, je l'ai lu. J'ai lu the ones comme étant les chats. Dans le passage précédent, à savoir les chats qui s'approchent. Qui s'approche des restes de poissons qui ont été déballés sur le quai. Alors, ils viennent, ils flairent, ils laissent tomber, surtout quand ils sentent que les charognards tournent. Ah oui, d'accord. Et à ce moment-là, dans ma lecture à moi, les quick and caring men seraient... Alors, ils sont évidemment bien en demi-teinte, les esclavagistes, ouais. Mais aussi ces pêcheurs qui maltraitent la nature... Et donc, on enchaîne sur I listen for the cat's paw. Pour moi, c'était la patte du chat, à la fin de ce poème, dans ce dernier paragraphe, on est dans toutes les sensations des chats. Et là, c'est un exemple magnifique des effets de réverbération qu'on a dans un poème. On a l'impression que c'est un petit verbe, une petite tournure anodine, et en fait, elle fait écho à celle de trois lignes plus haut, et elle y renvoie, et voilà, moi je suis passée complètement à côté. Mais il n'y a pas d'à côté, je pense. Si, c'est-à-dire que là, ça donne une toute autre... moi, ça m'éclaire le passage précédent, ta remarque. Oui, mais c'est juste ma lecture à moi. Oui, mais comme quoi, il faut se mettre à plusieurs. Oui, trois têtes valent mieux qu'une. Ouais, mais enfin moi là, vraiment, je me suis dit, mais pourquoi ? Enfin voilà, je me suis posé la question. Effectivement, j'ai regardé Cat's paw. Je connaissais pas le terme brisé. Bon, je me suis dit, bah non, ça peut pas être ça. Alors moi, j'ai pas trop cherché où était le narrateur ni ce qu'il faisait, ce que j'expliquais au début. Hein. J'ai pas trop essayé de l'ancrer dans une quelconque réalité. Et là, j'ai traduit, mais ça fonctionne pas du coup. Je trouve que ça fonctionne plus. Mais en fait, ce qui fonctionne pas, c'est qu'on est obligé de faire un choix parce qu'on n'a pas de cat's paw. On n'a rien en français qui veut dire à la fois un vent et une patte de chat. Donc on est typiquement dans ce que je disais tout à l'heure en riant et en citant Ricoeur, le travail du deuil dans la tâche du traducteur. Il y a certains moments de renoncement. Alors il y a bien sûr des petits miracles aussi. Mais là, c'est une très très belle illustration de notre impuissance. Et puis bon, là, c'est vrai qu'encore une fois, on aurait pu demander à l'auteur si c'était c'était interdit. Et j'ai évidemment souligné la dernière phrase. Je ne devrais Excuse-moi, je pensais revenir sur le trèfle.
Oui. Tu disais que c'était peut-être une coquille. J'étais tellement à Zanzibar que j'en ai fait un clou de girofle sans même m'en rendre compte. C'est devenu the clove au lieu de the clover. Donc je sens le girofle dans les fourrures crottées. Et moi, mon unique petit miracle du poème, c'est les fourrures crottées. Parce que clotted furs, j'ai bien pensé aux dreads et à toutes sortes de choses. Mais rendre l'image d'une façon aussi concise, rendre l'image d'une fourrure de chat qui est toute emmêlée et boueuse, c'était difficile. Tu vois, la fourrure hirsute. On ouais. comprend, mais les sonorités, mais je les aime pas bien, les sonorités. Et en fait, les fourrures crottées, je me le suis autorisé, c'est pas tout à fait l'image, mais c'était le son. Mais t'as eu raison. T'as eu raison. Merci. Mais oui. Et alors moi, vraiment, je disais, mais c'est pas possible. D'abord, le trèfle, je me dis, ça sent rien, le trèfle. Ben, c'est ça, il y a en anglais, il a mis clover, qui est trèfle. Et donc, il y a un chat avec du trèfle dans la fourrure, ça me paraît bizarre. Et donc, j'avais mis girofle, des giroflées. Mais c'est pas pareil, le girofle et les giroflées. Oui, mais la giroflée, c'est la plante qui donne les girofles. Enfin bref, peu importe. Et après, je me suis dit, ben non, en fait, il faut mettre ce qu'il a écrit, parce qu'on ne peut pas lui demander s'il a fait une coquille ou pas. Je lui demanderai voilà, après. Voilà, tu lui demanderas. C'est lui le. On a fait la même chose. Hein. La dernière phrase de ce poème qui est très très proche de la phrase de Walden. Hein. Je ne devrais pas, mais je les compte pourtant, les chats à Zanzibar. Je ne devrais pas les compter, mais c'est ce que je fais. Je chiffre les chats à Zanzibar. Deux Zanzibar. Ah, mais j'aime pas le chat A, quoi. Le chat A, oui, c'est pas bien. D'accord. J'ai deux Zanzibar. Voilà. Donc, ben non, on fait pas ce que dit Thoreau. On va quand même compter les chats à Zanzibar. Ils ont l'air d'être nombreux. Voilà. Il me reste à remercier chaleureusement Catherine et Mireille qui se sont prêtées à ce jeu de la joute, qui ont accepté de nous dévoiler un peu de leur vie intérieure trépidante de traductrice. Remercier Françoise Lalot et Sophie Brunet, les magiciens de la technique. Et toute l'équipe de la Semaine de la Poésie qui a organisé ce bel événement et ce beau festival. Et puis, nous remercions, je vous associe, tous ceux qui ont suivi le direct ce soir et qui, j'espère, auront apprécié cette incursion dans la cuisine moléculaire de la traduction littéraire. Bonsoir. Et merci, Sophie. Merci infiniment.